En 2024, la France et le Royaume-Uni célèbrent les 120 ans de l'entente cordiale. Pour marquer cet anniversaire, la princesse Yasmine Murat, épouse du prince Joachim Murat, a réalisé une illustration qui fut utilisée pour présenter les timbres-poste édités pour l'occasion. En exclusivité pour Monarchie Britannique, la princesse Yasmine Murat témoigne de sa participation à cet anniversaire diplomatique exceptionnel. Alors bonjour madame, tout d'abord je voulais vous remercier d'avoir accepté cette interview. Vous êtes l'auteur d'une illustration qui met à l'honneur l'entente cordiale à l'occasion de ses 120 ans, donc cette entente diplomatique entre le Royaume-Uni et la France. La première question que je voulais vous poser, c'est comment avez-vous été amené à collaborer pour ce projet ? Bonjour Kevin, bonjour à tous vos auditeurs. Eh bien, ce projet m'a été proposé par l'ancienne sénatrice des Français à l'étranger, Joëlle Garriaud-Mellam, qui a un lien très fort d'un point de vue familial, personnel et surtout amical avec l'Angleterre. Pour le 120e anniversaire de l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, elle a voulu offrir un cadeau symbolique à l'ambassade d'Angleterre et elle a imaginé justement un carnet de timbres qui reprend les symboles forts de cette entente. Donc elle m'a demandé de créer un fonds qui servirait comme fonds pour ce carnet de timbres qui reprend aussi des symboles de cette entente. Et pourquoi donc j'ai accepté ? Bah écoutez, parce qu'il ne faut jamais rater une occasion pour célébrer la paix et pour célébrer l'amitié entre les peuples. C'est très important pour moi. Et pourquoi avoir choisi le coquelicot et le bleuet plutôt que le coq français, le lion anglais par exemple, d'autres représentations de nos deux nations ? J'ai fait ce choix parce qu'un autre artiste avait collaboré sur ce même projet et il avait pris comme symbole le coq et le lion. Donc il ne me restait que cela et d'autant plus que pour faire un fond, il fallait quelque chose de très léger et j'ai donc choisi de faire un chant verdoyant avec ces deux fleurs symboliques. Et donc j'ai utilisé la technique de l'aquarelle mais en digital art, c'est-à-dire au lieu d'utiliser le pinceau, j'ai utilisé le stylet et l'iPad. Bon, heureusement que je l'ai fait avant que mon fils ne vienne croquer la pointe du stylo. J'aime beaucoup travailler avec l'aquarelle, mais malheureusement, j'avais une heure de temps pour réaliser ce dessin. Et il n'y avait que cette alternative. Entretenez-vous des relations avec les membres de la famille royale britannique ? Quels sont les liens qui existent entre la famille Murat et la famille Windsor ? Actuellement, il n'y a pas d'échange particulier entre notre famille et la famille d'Angleterre. En revanche, il y a certainement, assurément, un lien de cousinage. Par le passé, il y a eu de belles relations d'amitié entre les Murat et la famille d'Angleterre, notamment par la princesse Cécile Murat, qui est née princesse, née duchesse d'Elchingen, qui est la petite fille du maréchal Ney, et qui avait épousé le cinquième prince Murat. Je sais qu'il recevait le roi Édouard VII à l'époque et son épouse. Ils se recevaient mutuellement, que ce soit à l'hôtel Murat au 28 avenue Monceau. Cet hôtel n'existe plus malheureusement, mais il était le plus beau de Paris et qui avait même reçu le président Wilson pendant 3 mois pour les accords de paix après la Première Guerre mondiale. Je sais également que la princesse Cécile Murat recevait en dîner le roi Édouard VII à Marienbad, qui est une station, pas balnéaire, mais thermale plutôt, en Bohême. Et à plusieurs reprises, elle l'a reçu à dîner. Et l'anecdote est qu'elle emmenait tout son personnel, bien entendu, mais aussi toute la vaisselle, toute l'argenterie, la porcelaine et le linge de maison dans un train, voilà, pour recevoir comme à la maison. Bien entendu, sous le Premier Empire, la relation entre la famille impériale, c'est-à-dire les Bonaparte, hein, incluant la sœur de Napoléon, Caroline Murat, qui a régné sur le royaume de Naples, bien sûr, il y avait des relations diplomatiques, il y a des échanges avec les ambassadeurs, mais les relations étaient tendues parce que ces deux grandes puissances s'affrontaient lourdement, comme on dit. Voilà, Napoléon défendait les valeurs de la Révolution française face aux attaques qu'il a reçues par toutes les monarchies européennes. Ensuite, sous le Second Empire, les relations se sont apaisées parce que déjà,
Nous sommes passés par d'autres régimes, surtout donc sous Napoléon III, parce qu'il a sillonné l'Europe, mais aussi les États-Unis. Donc en passant par l'Angleterre, il a pu observer les développements économiques, notamment c'était la période de la révolution industrielle, donc il a pu s'émouvoir de ce développement et s'inspirer d'ailleurs pour ensuite transposer ces développements en France. Ensuite, après la chute du Second Empire, Napoléon III est parti en exil avec sa famille et il a été accueilli en Angleterre et il avait de fortes relations avec la reine Victoria, son épouse également, l'impératrice Eugénie. Donc les trois sont aujourd'hui enterrés en Angleterre et donc ça prouve, on va dire, l'apaisement entre la famille d'Angleterre et la famille impériale de France. Alors, dans un monde fragilisé par des tensions géopolitiques toujours plus importantes, quelle place offrir à l'entente cordiale, à l'entente diplomatique entre la France et le Royaume-Uni? Est-ce qu'elle est toujours aussi importante, toujours aussi cruciale qu'il y a 120 ans? Eh bien, il faut toujours donner la place à une entente, à la diplomatie, au consensus. Malheureusement, je ne crois pas du tout à l'amitié entre les États. Les États suivent leurs intérêts respectifs. En revanche, je crois en l'amitié entre les peuples. Ça, c'est possible. Et je pense qu'il y a quand même une certaine amitié entre le peuple français et le peuple britannique. Même si parfois ils se font des blagues mutuellement, mais je pense qu'ils se ressemblent un peu quand même. C'est à nous aussi, à tous les acteurs, à tous les niveaux, d'entretenir la paix, la fraternité, encourager les gestes positifs au fait. Je pense que c'est important. Je suis de formation politique hein, et j'ai étudié la géopolitique et les relations internationales et je sais pertinemment que c'est juste de la rhétorique. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'y a jamais de la place pour deux. En revanche, l'évolution des choses, elles ont su, ces deux puissances ont su trouver un terrain d'entente et un terrain de coopération. Et grâce à cette entente mutuelle que nous vivons aujourd'hui d'ailleurs, donc qu'il faudrait entretenir. Et sous quelle forme se dessine l'intérêt des Français pour le Royaume-Uni selon vous? Alors je dirais que les Français sont fascinés par le glamour de la famille royale d'Angleterre. Alors c'est drôle hein, parce qu'ils ont coupé la tête de leur propre roi, c'est un peuple régicide disons, mais il est quand même fasciné par la famille royale d'Angleterre. En revanche, c'est sûr qu'ils ne sont pas fascinés par le temps, par la pluie, par la grisaille londonienne, même si parfois il y a du soleil. Les Français aiment beaucoup Londres parce que c'est une très très belle ville, aiment la campagne d'Angleterre aussi, alors là je parle pour moi. Je ne parle pas au nom des Français, mais je pense qu'en général, on aime bien ce côté un peu bucolique ou un peu le côté sous la période victorienne d'Angleterre, tout ce qui fait rêver, de Jane Austen. En tout cas, pour nous, les filles, on aime bien ce côté-là. Et puis peut-être les fish and chips, et sûrement pas le pudding. Et pour vous, quel événement historique représente parfaitement l'entente cordiale? Alors, l'événement qui symbolise le mieux l'entente cordiale pour moi est sous le Second Empire. Pourquoi sous le Second Empire? Parce que, comme vous le savez, l'entente cordiale a été initiée par le roi Louis-Philippe d'Orléans, donc qui voulait la paix à l'extérieur des frontières de France, mais aussi à l'intérieur de la France. Mais je vois plus de mérite quand même sous le Second Empire, parce que nous avons un empereur, Napoléon III, qui est le neveu de Napoléon Ier, qui a été combattu longtemps par l'Empire britannique et qui a été emprisonné sur l'île de Sainte-Hélène après son abdication, sa deuxième abdication, et qui est mort là-bas dans des conditions un peu dures. Donc, en tant que neveu de cet empereur malmené par l'Angleterre, Napoléon III aurait pu garder beaucoup d'amertume, mais non, il a fait preuve de beaucoup d'humanité, beaucoup de sagesse, et il a préféré tendre la main à l'Angleterre et donc de créer une relation d'amitié avec l'Angleterre. Et tant mieux, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en Angleterre qu'il sera accueilli après son règne.
Et donc l'événement qui marque ça, surtout, c'est la visite de la reine Victoria à Paris. Donc elle est accueillie par Napoléon III et notamment pour visiter l'exposition universelle de Paris dans les années 1850. Et pour revenir quelques secondes sur votre illustration, il me semble que ce n'est pas votre première illustration publiée. Et oui, cher Kevin, ce n'est pas mon premier coup de crayon ou coup de pinceau. J'ai déjà fait des dessins par le passé, étant illustratrice de livres pour enfants. Donc je vous montre. C'est Tom l'Atome et le Big Bang de la série Les Contes de la Science. Donc c'est le premier livre que j'ai illustré. Et que j'ai co-écrit avec ma sœur, Nesrine Bricky. Voilà, donc ça raconte l'histoire ou la théorie du Big Bang plutôt, qui est simplifiée pour les enfants. Et c'était pas facile de dessiner l'atome primitif, les particules élémentaires. Donc voilà, tout ça a été quand même très amusant à faire. Le deuxième livre s'appelle La fabuleuse aventure de Lily. Là, c'est plutôt moi qui me suis un peu plus investie parce que ça raconte un peu mon histoire, on va dire. Ça aborde des sujets tels que la différence chez l'enfant, le harcèlement à l'école aussi, mais aussi la famille, l'amour dans la famille, le cas de l'adoption aussi, la fraternité et bien d'autres beaux sujets qui pourraient intéresser nos enfants. Aussi, je vous montre quelques dessins, donc avant que ça se transforme en livre, sous cette forme-là, donc c'est des grands dessins. Là, il s'agit de l'aquarelle. J'utilise souvent des techniques mixtes, mais j'ai beaucoup d'affection pour l'aquarelle. On a un papa vert qui se promène et qui découvre un bébé dans la forêt, un bébé vert, et qui l'accueille chez lui, qui le fait membre de sa famille, et qui grandit au sein de cette famille. Et ensuite, le bébé vert traverse des périodes difficiles parce qu'il prend beaucoup, beaucoup de poids. Et ensuite, il s'avère que c'est un papillon. Le plus bel insecte de la forêt, c'est Lily. Avec des couleurs très pétillantes. Ça, j'aime bien. Voilà, mais c'est très difficile à réaliser avec de l'aquarelle. Et je vous montre enfin mon coup de cœur, ma peinture fétiche. C'est ma petite palette, ma première palette de vraies aquarelles de chez Van Gogh. Et c'est ma mère qui me l'a offert en 2000-2001, je pense. Voilà, donc je la garde précieusement et je l'utilise avec parcimonie. Merci pour cet échange et donc j'étais ravie de pouvoir partager avec vous mes sentiments sur cette amitié franco-britannique et ce que je souhaite est que la paix dure et que l'amitié continue de grandir entre nos deux peuples. Eh bien, je vous remercie beaucoup, chère princesse. Je vous adresse en tout cas mes sincères félicitations pour cette très belle illustration franco-britannique. Et j'espère que vous collaborerez à un autre projet franco-britannique par la suite.